Bonsoir à nouveau. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil d'arrondissement du jeudi 6 octobre 2022 pour l'adoption de notre budget d'investissement qu'on appelle notre plan, notre programme décennal d'immobilisation. Depuis quelques années, on prévoit nos investissements sur 10 ans, donc on fait une planification sur une décennie plutôt que sur 3 ans. Bien sûr, c'est plus l'année à venir qui est détaillée. J'ai salué un peu plus tôt toutes les équipes ce soir, donc je vais nous épargner cette répétition parce que nous avons adopté un peu plus tôt le budget 2023 de l'arrondissement. Donc je vais inviter tout de suite monsieur. Est-ce qu'on a besoin de. Non. Il faut proposer adopter l'ordre du jour, pardon. Je c'est propose. Ça. D'accord. Alors monsieur. J'appuie. Monsieur Darnay propose et Monsieur Machado appuie l'adoption de l'ordre du jour. Merci. J'inviterai Monsieur Jean Cardin, qui est le chef des études techniques de l'arrondissement, à nous présenter le programme d'immobilisation. Alors, merci. Oui, Jean Cardin, chef des divisions aux études techniques, ingénieur. Je vais vous présenter ce soir le programme décennal d'immobilisation. Puis comme Mme la mairesse le dit, c'est un programme maintenant qui est sur 10 ans. Qu'est-ce que c'est un programme décennal d'immobilisation? C'est un outil de planification des investissements. Puis pourquoi planifier? Parce qu'il faut aussi planifier nos règlements d'emprunt. Donc les dépenses vont avec un emprunt et on a besoin de planifier là, sur une période assez longue. Et c'est une obligation aussi de la loi des cités villes. Donc, c'est encadré par le gouvernement provincial. Tout à l'heure, on a vu les actifs dans Verdun. Vous voyez ici là, les principaux éléments là, qu'on doit entretenir. Beaucoup de parcs, un grand parc linéaire là, qui contient des pistes cyclables, 122 km de rue, des trottoirs là, majoritairement des deux côtés de la rue. On a des ruelles, installations, différentes installations, bâtiments. Des voies cyclables, on l'a dit, et des conduites là, qui alimentent les maisons, donc en eau. Ici, vous voyez là, une carte qui montre le financement, d'où provient là, les projets, finalement l'argent qui sert à faire les projets. On voit là, la portion la plus importante vient de la Montréal-Ville-Centre, enfoncée. On parle d'environ 65%. La portion Verdun a grisé. 35% et une petite portion là, provinciale fédérale qui sont des subventions là, qui nous sont attribuées directement. Ici, on montre un peu le décalage, pas le décalage, mais l'investissement qu'on doit faire là, pour maintenir les actifs en bon état. Et il y a un élément là-dedans qui concerne l'entretien. Donc, il faut investir au bon moment. Si on n'investit pas au bon moment et on n'entretient pas correctement, bien, à un moment donné, on va avoir à investir un gros montant, beaucoup plus que si on l'aurait fait régulièrement. Donc, ici, on voit là, que tout est important, tout est interrelié, le budget et le programme d'investissement. Encore là, on dit au bon moment. Donc, à Verdun, on a trois programmes principaux, trois groupes d'actifs, tout ce qui est parc, place publique, donc ce qui est vert finalement. On a les bâtiments administratifs, sportifs, communautaires, donc différentes grandeurs de bâtiments. Et on a le routier qui comprend les ruelles, trottoirs et aqueduc. Et vous voyez dans la partie basse de l'image, on voit que la répartition est à peu près équivalente là, dans chacun des groupes. Et on a un programme qui s'est ajouté cette année là, pour mieux identifier la dépense, c'est le programme d'apaisement de la circulation. La petite pointe de tarte qui est découpée là, de la tarte complète. Excusez-moi, c'est très lent. Là, le... Pas bien. Assez lui, c'est vraiment bien. On va essayer qu'un doigté différent. Bon, vous voyez ici le plan décennal d'immobilisation sur 10 ans, c'est toujours le même montant qu'on a depuis 2002. Donc, en 2002, on avait 4 115 000.
C'était encore 4 115 000, puis ça va l'être pour un horizon prévisible jusqu'en 2032. Donc, le total du PDI pour les 10 prochaines années, ce qui va être adopté ce soir, c'est 41 150 000. Tout simplement, le montant multiplié par 10. Donc, vous voyez ici les enveloppes, les différentes enveloppes pour les programmes que je vous montrais tout à l'heure. On voit les pourcentages, c'est environ 30 % ou autour de ça pour chacun des programmes, sauf le dernier, le programme d'apaisement de la circulation, qui est un peu un sous-programme de la réfection routière, parce que ça contient les éléments, là, surtout au niveau de la voirie. On va y arriver. C'est pas le doigt, finalement. C'est... Les programmes de financement dans la voirie, là, j'ai des images qui datent d'un certain temps. Là, on va renouveler ces banques d'images-là, mais pour les rues, on parle de reconstruction complète. Lorsqu'on enlève tout, on enlève le pavage, égouts, aqueducs, trottoirs, on refait aussi les plantations, donc on ajoute des arbres sur la rue. Et vous voyez ce que ça a l'air, un chantier là, de reconstruction complète de rue. On a terminé la 5e avenue en 2021. On est en train de finir Osborne, entre Verdun et Burling, donc deux tronçons. C'est les plus gros projets qu'on a dans Verdun, là, c'est ceux-là. Donc. Autre programme, au niveau des trottoirs, tu as passé un peu trop vite, André, je peux te... Non, dans le mauvais sens. OK. Suivante. Donc, j'ai l'habitude de faire un petit retour en arrière pour ce qu'on a réalisé en 2021-2022 au niveau du programme de réfection routière pour les années là, qu'on vient de voir. Là, il y a la construction de rue. La suivante, André. Réfection de chaussée, une autre intervention qu'on fait là, un peu plus mineure. On vient reconstruire là, le pavage. On en a fait là, beaucoup en 2021, un petit peu moins en 2022. Mais c'est des interventions qui sont sur des grandes surfaces, mais qui ont une durée beaucoup moins longue. On parle d'environ 7 ans. Donc, on prolonge l'actif sur une période d'environ 7 à 10 ans. Autre élément où on vient rénover, là, encore là, le pavage, c'est les pistes cyclables. Donc, on a un réseau quand même assez développé de pistes en site propre. Ça nécessite une rénovation régulière. Là, on va avoir rénové là, dans les dernières années la majorité des grandes pistes cyclables qu'on a sur le territoire. On s'apprête à faire, là, on espère le faire en 2022, là, la piste du canal de l'Aqueduc. Ce que vous voyez là, c'est le boardwalk qui a été rénové, ainsi que la piste voisine qui longe le fleuve, donc la piste là, des berges. On a rénové des grands tronçons de cette piste-là. Suivant. Au niveau des trottoirs, on rénove annuellement environ 60 sections de trottoirs, de 60 à 100. On ne les fait pas comme ils étaient. On essaie d'améliorer l'endroit où on vient rénover le trottoir. Par exemple, ici, on ajoute un arbre. Il n'est pas là, mais on l'a ajouté. C'est des réparations qu'on fait là, au niveau des coupes qui ont été faites par les travaux publics. Comme vous voyez, la tache noire, le carré noir, là, c'est ça qu'on est venu réparer pour remplacer par une section de trottoir neuve avec un ajout vert. C'est bon? Autre modèle de réfection routière, là, on parle ici d'un ajout de CI végétalisé. Là aussi, on n'a pas encore la photo avec la verdure, mais on a mis dans l'espace au milieu la végétation, là, de différentes espèces végétaux. Et on a aussi amélioré là, la sécurité routière là, par une plus grande surface piétonne près d'un parc ou une école.
Vous voyez ici, réfection de trottoir dans un cas, qu'on est dans une rue commerciale, bien, on vient souvent là, ajouter là, un mobilier. Ici, un support à vélo avec un espace vert là, adjacent. Ici, réfection de trottoir avec agrandissement d'une fosse de plantation. Vous voyez ici là, un autre type d'intervention qu'on va faire. Encore là avec le PDI outil. On vient agrandir là, l'espace alentour de l'arbre. Donc, on vient déminéraliser. Si dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles, bien, souvent, on va associer des sommes d'argent qu'on a pour le verdissement. Ici, l'école Notre-Dame-de-Lourdes, sur la rue Verdun, on est venu ajouter une grande plate-bande végétale qui va prendre l'ampleur puis va verdir le secteur. Sinon, là, on vous montre des plans parce qu'on n'a pas réussi à faire les interventions, mais on a des programmes aussi qui proviennent de la Ville-Centre. Programme de sécurisation aux abords des écoles, c'est de l'argent qui nous est normalement attribué. On peut avoir facilement des sommes là, pour réaliser des projets autour des écoles. Ici, les deux projets n'ont pas pu être réalisés en 2022 pour différentes raisons, là, mais on a les plans de fait. Dès qu'on va pouvoir les faire, on va les réaliser. Les programmes de déminéralisation, verdissement des arrêts de trottoir. Vous voyez ici un exemple, là, l'effet spectaculaire. À l'époque, on avait de la verdure, on a mis de l'asphalte et on revient avec une bande gazonnée en arrêt de trottoir. Suivant. Autre actif qu'on doit entretenir, c'est les ruelles. Ici, vous voyez l'exemple d'une ruelle là, qui a été rénovée. Encore là, on ne les rénove pas en les refaisant tel quel. On va venir mettre des bandes végétales, verdir les côtés pour justement là, aider là, au niveau des gaz à effet de serre. Réfection de ruelle, un autre exemple ici là, d'une amorce près d'une rue. Donc, ce qu'on fait là, avec l'argent qu'on a, vu qu'il est quand même pas très élevé, on a 200 000 environ annuellement, on vient faire là, les amorces des ruelles pour éventuellement continuer là, le même pattern là, dans la portion suivante. Réhable de conduite d'eau, un autre type d'investissement qu'on va faire dans les rues. On vient gagner la conduite souterraine, conduite d'égout ou aqueduc. Ça va arriver qu'on va faire des canages de conduite d'aqueduc également. Donc, c'est une gaine en matériel synthétique qui est mise à l'intérieur de la conduite existante, qui permet de prolonger la durée de vie. Mise aux normes des feux de circulation, il y a des programmes là, annuels. Encore là, l'argent provient de la Ville-Centre. À chaque année, on fait un certain nombre d'interventions dans Verdun liées au feu. On rénove le matériel, les conduits souterrains pour les mettre aux normes. Donc, à Verdun, on a 45 feux de circulation. Vous voyez, en 2021, on en a fait 5. Ouvrage d'or, bien, ça, c'est une vieille image. On a reconstru le pont Darwin. Très peu d'ouvrages d'or dans Verdun. Là. On termine là, la prise en charge de ce nouveau pont de détachement. Construction d'eau dente, là, il y a une inversion dans les deux chiffres, mais on a fait encore cette année 40 d'eau dente sur rue. Donc, ça aussi, ça fait partie des standards villes. On va les faire là, encore, là, ou on va en faire encore en 2022 ou 2023. On termine là, le marquage de ces eaux dentes pour 2022. Donc, programme de réfection routière, ici, vous voyez le PDI Verdun, dans la colonne de gauche. On a investi 938 000 pour la rue Osborne, mais les travaux ont coûté 8,5 millions. Donc, on a un effet de levier important là, de la Ville-Centre qui supporte les travaux, là, surtout au niveau des réseaux d'eau. Et là, on décline tranquillement, là, vous voyez, vers le bas avec les ruelles, le plan local de déplacement. On est venu faire des aménagements, là, surtout au niveau des trottoirs.
Et on a là aussi des dos d'angle qu'on parlait tout à l'heure. Et dans les colonnes, la colonne de droite, là, on voit là, au niveau de l'eau, c'est payé par la descente, réhab des conduites d'eau, réfection du pavage, on a parlé de planage revêtement, puis les feux de circulation. Suivante. Donc, total de l'argent local du PDI, c'est 2 millions pour Verdun, puis un total de 14 millions en travaux. Bon, pour venir au programme 2023, réfection routière, dans ce programme-là, on a à peu près les mêmes enveloppes qu'on avait en 2022. Oui, ici, on a 478 000. On prévoit refaire la rue Manning entre Ballantagne et Verdun, donc un seul tronçon. Quand là, le montant n'est pas suffisant, on va être appuyé par les sommes provenant de la descente. On a aussi des ruelles vertes. On essaie d'en faire deux annuellement. Quand on dit deux, des fois, c'est plus que deux. On va faire des, quand on fait des amorces, bien, on réussit à en faire un peu plus. Mais il y a un 200 000 prévu pour ça. On a aussi les sections de trottoirs, un 200 000 là, autour de 60 sections annuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Piste cyclable, 200 000, puis on a un peu de main-d'œuvre à payer aussi avec l'enveloppe du 1,184 millions. Programme d'apaisement de la circulation, nouveau programme pour 2023. Il y a un 400 000 qui est mis dans cette enveloppe-là pour mieux comptabiliser les investissements en mesure d'apaisement. Ce qu'on va faire, c'est des ralentisseurs sur rue, amener ce programme-là, des aménagements liés à la mobilité. On parlait tout à l'heure de saillie de trottoir, aménagement cyclable, etc. Là. Donc, ça va être le montant attribué pour ces éléments-là. On espère attribuer beaucoup de subventions ou aller chercher des subventions pour compléter les sommes qui ne sont pas suffisantes là, pour faire ce qu'on veut réaliser. Bâtiment administratif, sportif et communautaire, l'autre volet du PDI. Excusez-moi, c'est très lent, ce n'est pas le débit que j'ai d'habitude. Retour sur les projets 2022. On a fait différents travaux dans les bâtiments. Maison d'hiver de Saint-Dizier, on a reconstruit les composantes en bois, donc on l'avait annoncé en début d'année. C'est une maison, là, une des plus vieilles à Montréal. Les fenêtres de certains chalets, dont le chalet de la reine Élisabeth. Et on a fait d'autres interventions aussi dans d'autres chalets, plus mineurs. La mairie d'arrondissement, on a une entrée électrique qui date, l'entrée électrique et les panneaux de distribution qui datent de beaucoup d'années, dont, je dirais, ils ont presque l'âge du bâtiment. Donc, on est en train de faire de l'ordre là-dedans, faire une étude pour pouvoir refaire l'entrée électrique et les panneaux de distribution. Auditorium, bon, on a parlé souvent, là, on est à reprendre le bâtiment et finir là, les travaux mineurs là, pour la prise en main. Ateliers municipaux, puis c'est un exemple seulement, là, mais on a fait beaucoup de changements d'équipement, des séparateurs d'huile, réservoirs de mazout qu'on a venu doubler, là. Et les unités de ventilation. Donc, plusieurs interventions qui sont moins connues du public, puis moins visibles, mais qui sont nécessaires là, pour entretenir les bâtiments. Vous voyez ici les projets en réalisation là, pour l'année 2022. On voit encore là la colonne de gauche, là, les investissements qui ont été faits dans les différents bâtiments de la ville, les 35 qu'on a ici à Verdun. Des éléments importants, les gros chiffres que vous voyez là, c'est Centre Marcel Giroux. On a fait des travaux d'accessibilité universelle pour mettre en nombre de bâtiments pour la rue. Et on s'apprête ou on commence les travaux à Algar pour accessibilité universelle et aussi le programme de réforme des bibliothèques. Et il y a le natatorium là, qui est aussi en projet. Donc, dans les bâtiments à Verdun, on a investi 1,4 million. Puis au total, avec l'enveloppe corporative et les travaux faits par la descente, c'est 6,1 millions. Programme des immeubles 2023, c'est le même modèle que les rues.
Vous voyez ici les enveloppes votées. Là, on a différents bâtiments, travaux mineurs. On les a regroupés, là, parce que c'est un petit montant de 160 000. À la mairie d'arrondissement, on va poursuivre les travaux d'alimentation électrique. Maison Saint-Dizier, on a des petits travaux à finir au niveau des puits secs. Les luminaires, Odel, bien, vous voyez, on est vraiment à rendre toutes nos luminaires, nos anciens néons, là, on les remplace par du Dell. La télégestion aussi, c'est important là, pour gérer les bâtiments à distance. Donc, on a 50 000 là. Mairie d'arrondissement, travaux, là, vous avez vu les escaliers, là, ça fait plusieurs années qu'on veut les refaire. Là. Mais là, on va mettre de l'argent pour les escaliers extérieurs qui sont en pierre, mais déposés sur des sols. Donc, on va venir stabiliser tout ça. Puis, au niveau des travaux publics, c'est à peu près le même contexte, au niveau de l'entrée du bâtiment. Donc, 405 000, c'est une dalle structurelle qui est améliorée à l'entrée. Ça, on vous montre l'enveloppe globale sur les 10 ans. Donc, c'est 40 projets qui sont répartis dans les années. À chaque année, on essaie d'arriver avec un total qui représente là, un petit peu plus qu'un million là, pour les 10 années du programme triennal. C'est la suite du tableau. Donc, les parcs et places publiques. Projet 2022. Puis encore là, on n'a pas réussi à faire beaucoup de projets cette année là, pour la conjoncture économique qu'on connaît. Là. Donc, on vous montre ici la compensation environnementale. On a terminé les travaux pour les deux sites qu'on a compensés, là, donc les deux endroits que vous connaissez là, dans le secteur du fleuve là, vis-à-vis, on a un qui est près de la plage de Verdun, un petit peu en aval, et on a près de dans l'axe de la 3e avenue, on a aussi des travaux là, d'aménagement qui ont été faits sur la rive. Ça, c'est des travaux complétés là, pour les packs de planches à roulettes. On en a fait un à Lille, on a mis une installation là, pour permettre la pratique de la planche à roulettes. Et on s'apprête là, à... On va continuer. On s'apprête à faire aussi des travaux pour un nouveau équipement de skate là, sur la partie terre ferme. Ici, achat et installation de mobilier, on en ajoute à chaque année. Vous voyez le différent mobilier qu'on utilise là, pour meubler les rives, les parcs et les installations là, autour des installations là, municipales. Des bancs là, versants. On a des tables à pique-nique octogonales. Des chaises longues, des bancs réguliers, puis on a même mis quelques années des bancs pour une classe extérieure. Marina de Verdun, on a remplacé la descente de mise à l'eau, puis on s'apprête à mettre une guérite. Un petit peu de retard dans ce projet-là, mais les plans sont faits. Parc des Madelineaux, on est sur à compléter le parc lui-même, donc il reste quelques petits éléments. Parc Arthur Terrien, vous voyez les terrains de pétanque là, ici ont été réalisés là, ou finis cette année. Bon, plantation d'arbres, c'est accessoire au PDI, mais on est planté, là, comme on l'a dit tout à l'heure, là, à près de 800 arbres. Puis si on comprend les micro-pousses, bien, on en a 1300, je crois, dans l'arrondissement. Et même plus. Autres travaux qui s'en viennent, pas réalisés encore, mais on a deux structures importantes. Là, le pont qui traverse là, le ruisseau au parc La Courcière, l'île des Sœurs, qui va être rénové. On a aussi un belvédère là, à l'extrémité sud de l'île des Sœurs, le parc Mellon-Ferguson, qui va être rénové en automne. Parc d'Anne-Amguenou, concours de design complété. On est à finaliser pour pouvoir partir là, le projet là, bientôt. Oui. On a parlé tout à l'heure du skatepark. Vous voyez l'image là, du projet qui doit être fait là, sur la partie terre ferme. Donc, projet en cours sous forme de liste. Ici, vous voyez les montants associés aux différents projets. Encore là, l'enveloppe Verdun, puis l'enveloppe totale, incluant là, les montants en prenant la descente et autres types de subventions. La suite de la liste. Encore. Donc, total pour les parcs, on parle d'à peu près 8,9 millions pour un investissement Verdun de 4,2 millions.
Donc, pour 2023, encore là, les projets à venir, Parc Joannette, dans le parc équipement majeur, on l'a appelé comme ça, mais on a un montant là, qui est global. Monseigneur Langlois, la réflexion de la mise aux normes d'un parc là, qui a été réalisé il y a déjà plusieurs années. Parc La Courcière, la réflexion de la mise aux normes du parc, le petit parc. Et on a West Vancouver aussi avec un accès à l'eau qui est souhaité par la population. Puis on a encore là, la main-d'œuvre capitalisable là, pour les parcs. Puis ça, je vous dirais, c'est, une planification là, qui peut être sujet à changement. Ici, vous voyez les projets de 2023-2032, encore là, sous forme de matrice. C'est trop petit pour les, mais il y a une planification encore là qui est faite sur les 10 ans. Donc, c'est tout pour le pays. Ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Cardin. C'était un bon tour d'horizon. Toujours intéressant aussi de faire en même temps le tour des réalisations de l'année qui se termine, l'année 2022. J'inviterai les personnes en présentiel qui ont des questions à venir au micro. Petite question technique. Les projets là, de majeurs de construction de rues, trottoirs, etc., là, dans certains arrondissements à Montréal, ils sont financés par la Ville-Centre, ils sont pris en charge par la Ville-Centre. Pourquoi ici, à Verdun, c'est l'arrondissement qui prend ça en charge? Y a-t-il une raison qui expliquerait pourquoi que nous, on prend en charge ces projets-là, puis ailleurs que c'est financé par la Ville-Centre? Il y a toujours une participation financière des arrondissements. Des fois, elle est minime, il y en a tout le temps une. Puis après, il peut y avoir un partage de responsabilités là, de qui prend en charge les travaux. Nous, à Verdun, souvent, on va chercher une délégation de pouvoir de la Ville-Centre pour être maître d'œuvre, même si le financement vient de la Ville-Centre. Ouais, mais pourquoi vous faites ça? Ailleurs, c'est pas ça qu'ils font? Ouais, c'est assez partagé, là. Des fois, on est mieux servi par nous-mêmes, là. La connaissance terrain est plus aiguë. Il y a toujours un travail de collaboration, mais c'est une expertise qu'on veut aussi garder à l'interne. Peut-être que M. Cardin, vous voulez compléter sur... Oui, peut-être ajouter que c'est oui, une délégation, en fin de compte, qui est faite pour nous permettre de faire des trottoirs. On est habitué d'y faire, là, peu importe si c'est un réseau artériel ou local. Mais là aussi, il y a une distinction entre les deux types de rues. Là. Les rues artérielles sont sous la responsabilité de la Ville-Centre, puis le réseau local, donc toutes nos rues qui sont de plus petits gabarits, sont de responsabilité locale. Responsabilité locale. Donc, la rue Manning... C'est la responsabilité locale, mais le financement va venir à, tu sais, là, on a vu un peu moins de 500 000, mais ce tronçon-là va coûter 3 millions. C'est environ 3 millions par tronçon, puis là encore, là, c'est un peu plus complexe que juste des trottoirs, juste des rues. Là. On a aussi le réseau d'eau qui est payé par la Ville-Centre. Puis quand le réseau d'eau implique une déconstruction des éléments en surface, bien, c'est aussi payé par le service de l'eau, même si c'est des actifs de voirie. Puis on en profite pour changer les entrées d'eau au plomb, aussi sur la partie privée, pour vraiment éliminer l'eau des canalisations. Donc, pas seulement les conduites publiques, mais aussi les conduites privées jusqu'au bâtiment des propriétés. Pendant qu'on a M. Cardin ici, j'aurais une petite question sur quelque chose que je trouve qui n'avance pas. Au parc Terrien, on a un chantier qui dure depuis 2 ans. Qui n'a pas bougé d'un poil cette année. C'est le chantier là, d'à côté de l'usine d'épuration sur la rue Rayon. Il se passe quoi à cet endroit-là? Il n'y a rien qui avance, ça ne bouge pas. On a eu le même réflexe que vous. On a trouvé qu'il n'y avait pas grand travaux réalisés cette année. Là, on a été posé la question parce que ça ne relève pas de l'arrondissement chantier-là. C'est les travaux de la Ville-Centre.
Et c'est, vous savez, c'est quoi? C'est une gestion d'odeur, finalement, là, provenant de la station Réaume. Mm-hmm. Il y a eu un problème de livraison de matériel. Il y a un problème aussi avec le bâtiment lui-même, qui est la station de pompage. Donc, plusieurs éléments qui ont fait que les travaux ont ralenti. Là, je n'ai pas en avant de moi là, les dates, mais c'est, oui, on est en contrôle présentement du projet. Il n'est pas laissé, comme ça là, sans qu'on on s'en occupe. Je pourrais vous ramener les dates, là, les dates qui ont été données par la descente pour compléter. Ouais, c'est ça, c'était un projet au plan d'investissement de la ville. On avait eu des dates au conseil de septembre, on a eu une question citoyenne là-dessus, puis il y a des choses qui vont bouger cet automne. On a transmis des dates, on pourra vous faire, mais ça va bouger cet automne. J'espérons, parce que ouais. c'est très, très, très laid dans un parc public comme ouais. le parc Terrien d'avoir un chantier à l'abandon comme ça. Effectivement, on a demandé aussi des mises à jour, on veut le terminer sur ce chantier-là, et puis il y avait des signaux comme quoi c'était possible que ça se termine cet automne. Ouais. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions en présentiel? Sinon, on a des questions en ligne. Bonsoir, on ne serait pas déplacé pour rien. Écoutez, c'est un peu dans le même esprit que ma question précédente et des questions que des années précédentes également. Je ne sais pas pourquoi on est passé d'un PTI à un PDI. Mais ce que je constate, moi, si on me parle d'un budget sur 3 ans ou 10 ans, je m'attends à ce qu'on ait des projections sur 3 ans ou sur 10 ans. Et si j'ai bien compris, on nous présente finalement les déboursés qui vont se faire dans l'année qui vient. Donc, plus ou moins la même chose que le budget de fonctionnement qu'on nous a présenté. La présentation ce soir, oui, mais je vous invite à consulter le dossier décisionnel. Vous allez l'avoir sur 10 ans. Ah bon? Parce qu'il y a quand même, en plus là, de l'entretien régulier, de réfection des rues, de bon, tout ce qu'on nous a présenté, il reste qu'il y a des chantiers majeurs qui nous attendent. Et je ferai la même remarque que précédemment. On nous parle d'accompagner ou de prêter attention à Dupuis-Exune, au PPU de la Pointe-Nord. Je trouve ça plus un vocabulaire de psychologie qu'un vocabulaire comptable. L'année dernière, j'avais posé cette question-là. Comment ça se fait qu'on n'a pas de projection? Ça, c'est majeur. Là. On ne parle pas là, de chaque année, on refait tant de rues ou bon, des saillies. On parle de requalification complète, ce qui veut dire que ça ne sera pas nécessairement une dépense annuelle. Là. C'est, si on a un budget sur 10 ans, en quelque part, on devrait avoir une vision de ce que ça va entraîner pour l'arrondissement. Et il y a toujours la question de la fameuse piscine intérieure là, qu'on attend. Si on a un budget sur 10 ans, en quelque part, on devrait avoir des projections pour ces chantier majeur-là et savoir ce que ça veut dire accompagner ou prêter attention. Oui. Bien, merci pour l'intervention. Ça m'amène à vous faire peut-être la nuance que j'ai faite tantôt à l'issue du budget. Notre plan décennal d'investissement est un budget d'investissement local de 4 115 000 $ par année. Le budget d'investissement total de la Ville de Montréal est de près de 2 milliards par année. Donc, comme M. Cardin disait, on a des projets, tu sais, des fois on est à 35 % de hauteur. Il y a des projets d'investissement qu'on n'a pas vus ici ce soir parce qu'ils seront dans le programme décennal d'immobilisation de la Ville. Il y a des limites quand même à cet exercice-là où toutes les lignes ne sont pas écrites. Mais, par exemple, le complexe aquatique va provenir du programme d'investissement de la ville. La passerelle, même chose. Le natatorium, même chose. Donc, les plus gros projets, on ne les a pas vus ce soir. Et on n'est pas en mesure de s'avancer non plus sur la programmation du plan de la ville parce que c'est encore en cours de confection, puis on est le budget final va être adopté en décembre, celui de la Ville de Montréal, là, fonctionnement et investissement. Le début de votre intervention, sur Ixon-Dupuis,
Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on doit refaire la rue Hickson et il faut partir du boulevard Lassalle pour refaire les canalisations en montant jusque à la rue Lesage, voire Évangeline. Et puis ça, en ce moment, on n'a pas de date. On est en discussion avec les services centraux. Fait que je vais laisser M. Cardet compléter, mais avant ça, je veux dire, puis tous les travaux qui touchent plus Pointe-Nord, partie nord de l'île des Sœurs, comme en lien avec le réseau express métropolitain et tout ça, ça aussi, ça figure au programme d'investissement de la Ville-Centre et c'est sous le service de l'urbanisme et de la mobilité parce que c'est en lien avec le programme particulier d'urbanisme là, auquel étaient attachées des sommes. Donc, on est conscient que c'est complexe. Puis ce soir, pour ne pas tout mélanger, tu sais, puis vous avez vu, la présentation, c'est quand même un peu de temps, donc on s'attarde plus à l'année 2022, ce qu'on vient de faire, puis là où on s'en va. Mais dans le document décisionnel, les pièces jointes, vous allez voir, surtout pour les bâtiments, là, toute une série d'actions très détaillées. Pour les rues, on ne va pas dans ce niveau de détail-là, mais peut-être, M. Cardin, pour ce qui touche Hickson-Dupuis, vous pouvez peut-être... Oui, peut-être ajouter que les tableaux que je vous ai montrés, qui étaient plus petits, là, ça, c'est la planification 10 ans là, que vous allez voir. Là, et on ne lisait pas bien, mais c'est ça vraiment qui est sur le 10 ans. Sur Hickson, oui, on a des travaux là, qu'on essaie de faire. Là. On a eu dernièrement un dénouement de ce dossier-là parce qu'on a demandé là, à plus haut niveau là, pour avoir les sommes requises. Ce qu'on prévoit, là, c'est autour de 2025, commencer des travaux sur la Hickson. C'est un projet majeur parce que, vous savez, la ville est divisée en bassins, ou l'arrondissement plutôt, divisée en différents bassins de drainage. Puis à cet endroit-là, la Hickson, c'est la sortie d'eau finalement du bassin là, qu'on appelle le bassin 1. Et c'est des plus grosses conduites qui sont cette rue-là. Donc, c'est des travaux plus importants que sur une rue locale régulière. Mais on s'apprête à justement préparer des plans et aller en travaux. Ah ben c'est une bonne nouvelle, je l'apprends ce soir et j'en suis contente parce que c'est une rue locale, Hickson, fait que la structure de financement des fois peut être différente, mais il faut s'en occuper à assez court terme, fait que voilà. Merci. Bon, merci. Merci. Madame Gay. Oui, bonjour. Ben, je vous remercie d'avoir rendu les documents publics avant la séance. Ça a permis de lire le petit tableau illisible à l'écran. Ça me permet de poser une question qui n'est pas sur les dépenses d'investissement de 2023, mais plutôt quelque chose qui est apparu, qui m'a un peu, dont j'ignorais tout, là. Une dépense qui est prévue en 2026 au parc Maynard-Ferguson. On parle de 300 000 $ pour une surface synthétique, pour une aire de jeu. Et j'aimerais ça savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est la réfection d'une aire qui existe? C'est un peu comme on a fait cette année au parc Willibrod. Ouais, le parc Willibrod, juste ici, c'est en fait le revêtement de sol. Donc, c'est pas tant les modules de jeu que le revêtement qui s'abîme. Et donc là, c'est un revêtement à remplacer. C'est pas un nouveau revêtement synthétique à installer. C'est ça ma question. Oui, on enlève celui-là, on en dispose et on en installe un nouveau. Ça dure combien d'années, un revêtement de sol synthétique? C'est très variable, tout dépend de l'usage, là, mais c'est sûr que c'est moins durable. Là, Ça fait partie de nos rêves d'installation durable? Je vais vous dire, moi, je trouve que ça ne dure pas assez longtemps, là, personnellement, mais en même temps, c'est ce qui rend nos parcs accessibles aussi. Parce que des fois, il y a des modules partiellement accessibles universellement, ou parfois, c'est le fait de pouvoir accéder à l'aire de jeu, même si on n'a pas accès aux modules comme tel, pour pouvoir participer avec les autres personnes qui ont accès. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'accessibilité universelle que, tu sais, autant que possible, on va le privilégier aux copeaux de bois. On a quand même beaucoup de modules de jeu avec des copeaux de bois, mais il y a peut-être d'autres motifs aussi, Monsieur Cardin, peut-être pour les chutes et tout ça. Oui, on a fait encore là, des parcs avec des portions en copeaux de bois, en sable. Là, tout va dépendre du type de jeu qu'on va mettre. Puis effectivement, là, c'est un élément important pour l'accessibilité universelle.
C'est une surface agréable, très utilisée par les enfants. Est-ce qu'on parle de l'aire de jeu d'enfants près des sommets? Là? Oui, c'est celle-là qu'on parle, près des sommets, ouais. Là où il y a les jeux d'eau. En forme ovale, là, c'est des notes de musique. Finalement, on voit une vue aérienne, là. Okay. C'est celle-là qu'on veut faire. OK, puis j'ai pas vu le pont, le fameux pont du parc La Coursière. C'est parce que le budget est déjà disponible exact. En 2022, c'est ça? Le contrat a été voté. On a voté le contrat au conseil d'arrondissement de juin, si ma mémoire est bonne, mais le chantier n'est pas encore mobilisé, mais donc c'est dans notre programme d'investissement pour l'année 2022. OK. J'aimerais se poser une question sur la dette qui est générée aussi par le programme d'immobilisation. Il y a comme dans le budget, il y a 39 millions dette et chaque année, il y a 4 millions qui s'ajoutent, si je comprends bien. Vous l'avez dans la présentation sur le budget. Oui, je l'ai vu. Mais ça veut dire que chaque année, à chaque fois qu'on dépense 4 millions dans le programme d'immobilisation, ça va s'ajouter à la dette. Puis là, j'ai l'impression qu'avec les taux d'intérêt, cette dette-là de 39 millions va peut-être grossir. La ville a quand même, grâce à sa cote, des bons taux. On peut voir pour l'année 2019, l'année... De 39 millions on pour voit 2022. Qu'on a remboursé on a remboursé tout près de 5 millions, puis on a ajouté au règlement d'emprunt. On se maintient à peu près. On la maintient. Vous irez voir, c'est la page 31. Oui, je l'ai vue. Donc, on a remboursé 3,5 millions en capital. On a remboursé en intérêt 1,5. On rembourse 3,5 millions en capital, puis on ajoute 4,1 millions à chaque année. Donc, ça va nécessairement grossir un peu. Oui et non. On n'a pas toujours dépensé le 4,1 millions. Parce qu'on voit que l'année passée, on était autour de 39 millions de dettes, puis on est à peu près au même niveau. Donc, on rembourse. Effectivement, vous avez raison, on a remboursé 3,5 en capital, puis on aurait... Théoriquement, on se maintient à peu près. On se maintient à peu près, oui. Mais on a commencé à le suivre et à l'inclure dans la présentation l'année dernière seulement. Fait que même pour moi, c'est une information que j'ai commencé à suivre dans les dernières années grâce aux citoyens qui nous l'ont demandé, en fait. Parce qu'on ne le regardait pas nécessairement, parce que c'est une dette consolidée quand même avec la ville. Exact. Oui, en fait, pour ce qui est de l'évolution de la dette, au risque de vous dire un peu n'importe quoi, je préfère documenter puis revenir sur cette information-là. C'est très bien, ça. C'est une bonne... Très bien. On a deux questions en ligne qui portent sur le même sujet. Alors, M. Gerbeau, je vais vous inviter à lire les deux questions, puis on va y répondre. Parfait. Donc, la première est celle de Claire Perrache de la PIDS. Elle va comme ceci. Alors, sauf erreur de notre part, nous ne voyons pas de financement prévu pour la passerelle entre Verdun et l'Île-des-Sœurs. Cependant, cette passerelle fait partie de vos promesses électorales. Si son financement ne fait pas partie du PDI de l'arrondissement, pouvez-vous nous confirmer qu'il fait partie de celui de la ville? Sinon, comment est-il prévu de le financer? Est-ce que vous voulez que je lise l'autre oui, également? Alors, la deuxième, sur le même sujet, elle provient de la PRIDS également, de Daniel Manceau, et elle va comme ceci. Nous n'avons trouvé aucune mention dans le PDI de la passerelle prévue entre le centre-ville de Verdun et l'Île-des-Sœurs. Est-ce que notre lecture est correcte? Qu'est-ce que cela signifie? Merci pour ces questions. Alors, effectivement, le projet de passerelle n'est pas dans notre plan décennal d'investissement, en tout cas pas pour l'année 2023. C'est certain que c'est pas avec un programme de 4 millions par année, c'est pas Verdun qui va financer une passerelle. Nous, ce qu'on s'est engagé vraiment, c'est de la planifier. Donc, on a commencé, il y a eu une première étude de fait. Et puis on est en discussion avec le service de l'urbanisme et de mobilité pour le financement d'autres études pour préciser le projet. Puis on veut aussi, quand on va avoir des éléments plus concrets, là, d'avoir une présentation publique à Verdun. Et puis, on est en train de regarder aussi auprès d'autres paliers de gouvernement, d'autres possibilités de financement.
Donc, je vous dirais qu'il n'est pas sur le programme de Verdun. On ne le verra peut-être pas pour 2020, pour à la fin de l'année, ce qu'on va adopter au plan décennal de la ville, parce qu'on va être encore à l'étape d'étude. Puis bon, il y a certaines études qui sont capitalisables, d'autres qui sont au budget de fonctionnement et ils font partie comme d'une grosse enveloppe d'études techniques. Donc, c'est pas parce qu'on ne le voit pas ressortir qu'on ne travaille pas là-dessus actuellement, mais on est vraiment dans des étapes préliminaires de planification. Je vous remercie. Ce qui nous amènerait au point d'adoption du programme décennal d'investissement. Il n'y a plus de questions en ligne. Oui, alors donc, c'est le point 30.01 de l'ordre du jour et la proposition qui est sur la table consiste à approuver la liste des projets d'immobilisation qui est jointe au dossier décisionnel et qui totalise la somme de 41 150 000 $. Et ça constitue le programme décennal d'immobilisation des exercices financiers 2023-2032 de l'arrondissement, de même que les sources de financement qui sont prévues pour ces projets et d'en approuver la transmission au comité exécutif de la ville. Voilà. Merci. Alors, une personne pour proposer. Monsieur Graton propose. Je propose. Personne pour appuyer. J'appuie. Madame Beauregard appuie. Parfait, merci. Ce qui nous mène à la levée de cette séance spéciale sur l'adoption du programme décennal d'immobilisation. Je peux la proposer. Monsieur Darnay propose. T'en doutais. Et j'appuie. Monsieur Darnay propose et Monsieur Machado appuie. Merci. Donc, on clôt cette séance et on ouvre dans quelques secondes la dernière séance extraordinaire de la soirée pour l'adoption d'un projet immobilier à la Pointe-Nord de l'Île-des-Sœurs. Merci à vous.